à tous et à toutes. Hello everyone. Donc je suis vraiment heureux d'être, au milieu de vous, devant vous aujourd'hui. I am so happy to be with you, in front of you today. Simplement, je veux vous rappeler que par rapport au nouveau format que nous avons. Just a word about our new format for these services. Si vous avez des questions pendant la prédication, je vous encourage à poser vos questions sur le chat. If you have any questions as you hear the preaching today, don't hesitate to write to us through the chat. Et nous allons essayer d'y répondre à la fin de cette prédication. And we'll do our best to answer your questions at the end of the preaching. N'hésitez pas, lorsque le Seigneur commence à vous parler, si vous avez une interrogation, quelque chose, ou une question par rapport au message, mettez bien votre question sur le chat. So don't hesitate to share your questions with us in the chat. Donc, on va passer un bon moment dans la présence de Dieu aujourd'hui, dans la parole. We're going to have a great time in the word of the Lord today. Amen. Donc, ça sera du concentré ce matin. Now it's going to be dense and concentrated. Donc, simplement des points qui vont vous pousser à aller dans la parole de Dieu. I want to highlight a few points that will provoke you to dig deeper in the word of God. Et à approfondir les domaines que le Seigneur va nous montrer ce matin. And really get a hold of the areas that the Lord is speaking to us about today. Tout d'abord, le titre de mon message. First of all, the title of my message is this. Alors, vous êtes bien assis sur votre fauteuil. I hope you're all seated and ready to write this down. Le temps de la confrontation. The time of confrontation. Donc, nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, verset 11. We're going to start by looking at Ephesians chapter 4 and verse 11. Qui nous dit, il a donné, en parlant de Jésus, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On parle de toi ce matin. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, amen, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, amen, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. We were reading from Ephesians chapter 4, all the way from verse 11 to verse 18. Donc le Seigneur Jésus a donné les cinq ministères pour son Église. So we see from this passage that the Lord himself gave to his church five different ministries. Il est dit ici pour le perfectionnement des saints. And he specifies that it is for the perfecting of the saints. Et chose intéressante, en vue de l'œuvre du ministère. Why? He specifies because we are meant to exercise our ministry. Alors, je vais essayer de comprendre. Moi, je pensais que le ministère, c'était simplement les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Now, for a long time, I was trying to understand. I thought the only ministries were apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Et que la seule chose que j'avais à faire, c'était de servir leur ministère. And that my role was to serve their ministries. Pour que leur ministère devienne grand. So that they would end up having a great big ministry. Bon, déjà, c'est le ministère de Jésus-Christ. Well, first of all, we're talking about the ministry of Jesus Christ himself. Dans lequel chaque croyant est impliqué. And every single believer is involved in the ministry donc, of the Dieu Lord. Donc Dieu a donné les cinq ministères. So God has given us these five ministries. Pour le perfectionnement des saints, pour ton perfectionnement et pour mon perfectionnement. For perfecting or equipping the saints, that means you and me. Pourquoi? Pour que je travaille dans le ministère de Jésus-Christ. So that I would enter into the ministry of Jesus Christ myself. En vue de l'édification du corps de Christ. In view of edifying or building up the body of Christ. Pour que je sois fort.
So that I would be strong. Mais pour que l'église de Christ soit forte. But even more so that the church of Jesus Christ would be strong. Amen. Et nous avons besoin de voir dans notre saison, dans notre époque, dans notre génération. And we really need to see that happen in our generation. Une église forte. We need to see a church that is alive and strong. Et je crois que Dieu appelle son peuple à se préparer. God is calling his people to prepare themselves. À se positionner plus que jamais. And to position themselves as never before. Donc nous voyons que depuis le début de l'année, nous sommes en train de traverser cette crise. Since the beginning of this year, we're going through this time of crisis. Et il semblerait que les choses ne vont pas en s'améliorant puisque nous sommes déjà dans le deuxième confinement. And for now, it does not seem that things are improving because here we are, we find ourselves a second time of lockdown. Et que les effets négatifs de cette crise vont se répercuter dans les mois à venir et même dans les années à venir. And it has been said that the effects of this crisis will continue in the months and even the years to come. Donc on pensait que c'était passager, ça allait durer quelques mois. So we thought this was going to be temporary, it would only last a few months. Mais il semble que les choses sont là pour durer un certain temps. But apparently this crisis may last a lot longer than we initially thought. Et dans tous les cas, il y aura des répercussions au niveau économique, au niveau social. In any case, the repercussions are huge, especially in terms of the economy and the social fabric. And also for individuals. J'ai entendu que les hôpitaux psychiatriques n'ont jamais été aussi remplis. Wow. I heard that psychiatric hospitals have never been so full before. Avec justement cet effet de climat anxiogène. Especially because of this lockdown and the atmosphere of anxiety that has ruled. Que nous traversons depuis quelques mois. That we've been going through now for several months. La dernière fois, je voyais pendant les actualités un reportage de ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ou 3 ans. Recently, I read a report in the paper about something that took place 2 or 3 years ago. Le reportage était sur les marchés de Noël. It was talking about the Christmas markets. Les gens étaient vraiment dans une espèce d'insouciance. And in those markets, everybody comes and they buy their stuff and they're carefree. Et il n'y avait aucune personne masquée. And at that time, nobody had to wear a mask. Donc je pensais qu'on était dans une autre époque. It feels like that was such a long time ago. Parce qu'à l'époque, on dirait qu'on parle d'il y a 10 ans, mais il y a ne serait-ce qu'un an de cela, la seule chose qui était masquée, c'était certains des appels téléphoniques. I thought this would be 10 years ago, but it's actually only 1 year ago. But the only things at that time that were actually masked were the phone calls you get that are anonymous. Je ne comprends pas. Des gens qui vous appellent et ils sont masqués pour vous appeler. Ils ne veulent pas que tu saches que tu es. I don't get it. You know, why does somebody call you and hide their number? Why are they masking their number? They don't want you to know that they're calling. Moi, si je t'appelle, je veux que tu saches que je t'appelle. If I'm going to call you, I want you to know that it's me. Enfin bref, tout ça pour dire que les choses ont changé. All that to say, things have changed so much. The world around us has changed. Mais en même temps, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu. But this morning, I'd like to invite you to reflect a little bit with me. Le monde a changé, les choses, mais une vraie question. I want to ask you a real question, even though you see the world changing. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? What has fundamentally changed? Dans notre monde. In the world of today. Avant la pandémie, est-ce qu'il n'y avait pas des malades? Before this COVID crisis, weren't there sick people as well? Avant la pandémie, est-ce qu'il n'y avait pas des crises personnelles et industrielles? Before the pandemic, weren't there economic crises or personal crises? Avant la pandémie, est-ce que le diable était moins meurtrier, voleur et destructeur? Before the pandemic, was the devil not quite as mean or was he a thief and a killer? Avant la pandémie, est-ce que Dieu aimait moins les gens qui souffrent? Before the pandemic, did God seem to love people who were suffering less? Est-ce que Dieu aimait moins les gens en général? Did he love people in general less than he does today? Avant la pandémie, est-ce qu'il y avait des problèmes? Before this pandemic, weren't there other problems? Donc la question fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? So here's my question, and it's very fundamental. What? Le diable est toujours aussi méchant. The devil is still mean. Dieu est toujours aussi bon. God is still good.
Et les gens ont toujours les mêmes problèmes. And people still have the same problems Donc, as they did a year ago. Fondamentalement, il n'y a rien qui a changé. So basically, nothing has changed. La seule chose qui a changé, je crois que c'est notre perception des choses. The only thing that has really changed is our perception of things. C'est notre conscience. Our awareness de l'état dans lequel nous sommes. Of the state in which we find ourselves. La chose qui a changé chez nos contemporains. And the things that have changed in our people around us. C'est de prendre conscience que les choses sur la vie sur laquelle les fondations pardon sur laquelle leur vie était bâtie n'étaient qu'un château de cartes. A lot of people have realized that their lives have been built on a house of cards. C'est pas si solide que ça en fait. Their lives were not on a foundation as solid as they thought. C'est peut-être pour ça qu'en fin de compte, il y a une prise de conscience. And that's where this new awareness has come forth. Donc ça, c'est bien. And that's a good thing, I think. Mais le plan de Dieu est toujours le même. But the plan of God is still the same. Et peut-être pour toi qui nous regardes ce matin et qui réalise que ta vie a été bouleversée. For those of you watching us today, you realizing that your whole world has been turned upside down. Peut-être que tu as atterri sur notre chaîne par hasard. Perhaps you just got connected by chance to this service. Et que tu réalises que ta vie est sans dessus dessous depuis cette crise. Perhaps you're realizing that since the beginning of the crisis, your whole world has been turned upside down. Que tu te demandes, tu te poses des questions pour ton avenir. And you're asking questions about your future. Mais je voudrais t'aider ce matin à te poser les bonnes questions. I'm going to help you this morning ask the right kinds of questions. Cette question fondamentale de savoir est-ce qu'il y a vraiment un Dieu. The basic question is there truly a God? De savoir est-ce que ta vie a un sens. And also help you discover does your life really have a meaning? Quel est le sens de ma vie? In other words, what is the meaning of my life? Et personnellement, je crois que sans la conscience de l'existence d'un Dieu, la vie n'a pas beaucoup de sens. Personally, I believe that without an awareness of the existence of God, life really doesn't have meaning. Te poser la question pourquoi tu as la conscience du bien et du mal. Ask yourself the question, why is it that you're aware of good and evil? D'où viennent tes valeurs? And from where come your values? Et te poser une question essentielle, où vas-tu aller après la mort? And the most important question, where will you go after death? Et s'il y avait un Dieu? So, if there were a God, et s'il y avait un enfer, if there were truly hell, et s'il y avait un ciel, if there were truly heaven, est-ce que tu veux vraiment passer à côté de ça? Do you want to miss out on that? Car la chose la plus importante dans ta vie, the most important thing in your life, my friend, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton travail, it's not your work, it's not your car, ce n'est même pas les années que tu vas passer sur cette terre, it's not even the years that you're going to spend on this earth. You realize that? Mais c'est ton âme. It's your soul that counts. À savoir que ton âme est éternelle. You need to realize that your soul is eternal. Et que tu dois te poser vraiment les bonnes questions ce matin. So that's why I invite you to ask the right questions today. Et si c'était vrai? And what if all this were true? Est-ce que je peux faire le pari de passer mon éternité en enfer? Would I take a chance and lose everything to spend eternity in hell? Donc je t'encourage vraiment à chercher de tout ton cœur Dieu. Let me encourage you today to seek God with all your heart. Et tu sais, la Bible dit que Dieu ne rejette pas celui qui vient vers lui. Because God never rejects those who seek him. Et je ne pense pas que ce soit un hasard que tu aies cliqué sur cette chaîne. It is not a coincidence that you're connected to this service today. Donc, mets simplement tes genoux par terre, là où tu es. I invite you simply to kneel on the floor, right where you are. Et demande à Dieu, Seigneur, si tu existes. And simply say this prayer, Lord, if you exist. Ouvre mon cœur, car je veux te connaître. Open my heart, because I want to know you. Et je ne veux pas passer mon éternité en enfer. I don't want to spend eternity in hell. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'Église de Dieu doit comprendre et entendre de la part de notre Père céleste? So, today, what does the Church of Jesus Christ need to receive and understand from our Heavenly Father? Je crois fortement que d'une certaine manière, Dieu appelle son peuple. I really believe that God is calling his people in a very special way. À se lever, à se positionner. He's calling us to rise up and take a position. Et à se mobiliser. And to be mobilized. Et surtout à répondre plus que jamais à cet appel que Dieu
a donné à son Église depuis la création de l'Église, depuis sa naissance. More than ever before, God is calling His church to respond to its calling that was given before the birth of the church. Quel est cet appel que Dieu a mis sur son peuple, sur son Église? What is that calling that God has placed upon His church? Qui n'a pas changé depuis 2000 ans? That has not changed since 2000 years? Préparer la venue du Seigneur. Prepare for the coming of the Et Lord. Et Dieu veut nous réitérer cet appel ce matin. God wants to renew that call in our hearts this morning. Nous rappeler cet appel qui est sur son peuple, sur son Église ce matin. He wants to remind his people of that calling. Dieu veut profiter de ce temps de crise. He wants to take advantage of this crisis. Pour réveiller son peuple. To awaken his people. Et que nous ayons exactement la même intensité. So that we could continue with the same intensity. La même passion. The same passion. La même force que l'Église primitive. The same strength as we see in the early church. Que cette Église avait pour préparer la venue du Seigneur. The early church was also called to prepare for the coming of the Lord. Ils étaient prêts à donner leur vie pour hâter la venue du Seigneur. Those believers were ready to lay down their lives so that His coming would come even sooner. En continuant ce processus pour devenir cette Église glorieuse que le Seigneur exige pour sa venue. Because they were intentional about becoming a glorious church that the Lord could come back for. Et je crois que dans chaque crise majeure que nous traversons, I really believe that in every major crisis that we go through, Dieu a un plan pour apporter la guérison, la délivrance, la paix, la justice et le salut. God has a plan to bring healing, deliverance, salvation and liberation and restoration. Je crois qu'à chaque crise, Dieu ouvre des fenêtres. Every time there's a crisis, God is the one who opens up the window. Pour donner l'opportunité aux personnes qui ne le connaissent pas, aux pécheurs. To give to the person that doesn't know him an opportunity. La possibilité de rentrer en lui-même. To give that person the possibility of sounding out his own heart. Et de considérer ses voies, de considérer sa vie. And the possibility of considering his life, considering the path he's taken. Et se repentir. And come to the point of repentance. Et vous savez, dans les temps de crise, il y a deux possibilités. You know, in a time of crisis, there's always two possibilities. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Particularly for those that do not know the Lord Jesus Christ. Donc, soit ces personnes profitent de cette fenêtre du ciel qui est ouverte pour se repentir. Either those people will take advantage of the open window to come to repentance. Et ça fait comme un électrochoc qui dit, mais hey, qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui? Because the crisis has awakened them, it's shocked them and made them realize what they're doing with their lives. La deuxième possibilité qu'il peut y avoir, qui est pour moi dramatique, c'est que ces personnes endurcissent leur cœur. However, the second possibility, which for me is tragic, is that some people will harden their hearts. Et insultent tout ce qui vient de Dieu. And they end up insulting everything that comes from God. Donc nous pouvons voir que dans cette crise, il y a deux catégories de personnes. We see these two categories of people in the current crisis. Il y a des personnes qui sont prêtes. There are those who are ready. À entendre. They're ready to hear. Et à recevoir. They're ready to receive. Mais il y a des personnes qui, de toute façon, tu peux faire les pieds au mur, tu peux faire la roue sur la tour Eiffel, tu vas jamais les convaincre. But there are, unfortunately, other people that you can do everything you want, try anything you want, but you will never be able to convince them. Et leur cœur va continuer à s'endurcir. And unfortunately, their heart becomes harder and harder. Donc je crois que nous, en tant que peuple de Dieu, on a cette responsabilité. We, as the people of God, have a very specific responsibility. D'être une lumière qui brille, comme l'a si bien prêché Blondel la semaine dernière. To be the light that shines, as Blondel preached last week. D'être une lumière qui brille dans les ténèbres, mais aussi d'être le sel de la terre. The light that shines in the darkness and the salt of the earth. Le sel de la terre a cette capacité de purifier l'atmosphère. You know, salt has the ability to purify the atmosphere. Et l'appel de Dieu sur son Église, sur son peuple. The calling of God on the people of God, the church of God. C'est de purifier l'atmosphère. Is to purify the atmosphere around us. Par notre vie, par notre sanctification et par notre intercession fervente. Through our lives, through our sanctification and through fervent intercession. Dieu nous a donné des armes offensives et défensives qui sont efficaces. God has given us offensive and defensive weapons that are effective. Il se passe quelque chose quand le peuple de Dieu se rassemble. And there's something that happens when the people of God are united. Dans l'unité et prie.
They pray together in faith and in et unity. Et déclarent les œuvres de Dieu. And they declare the works of God. Et particulièrement dans ces temps de crise. And especially during a time of crisis. Où je crois que Dieu a ouvert une fenêtre. Now, when God has opened up that window. Non pas pour déverser ses jugements. Not to pour out his judgment upon mais pour the déverser earth, sa miséricorde. But to pour out his mercy. Et nous, nous devons en tant que peuple de Dieu dire, Seigneur, étends ta main. As a people of God, we need to unite and cry out, Lord, stretch out étends your hand. Étends ta main, Seigneur, dans ces temps de crise. Stretch out your hand in this time of crisis. Miséricorde pour les habitants de ma nation. Show your mercy to the residents of this nation. Miséricorde pour les habitants de ma ville, de mon mercy travail, de ma famille. For the people in my home, the people in my neighborhood, étends the people in my main, work. Étends ta main, Seigneur, et qu'il se fasse par les mains des croyants des signes, des miracles et des prodiges. And accomplish signs and wonders and miracles through the hands of your disciples. Afin que le monde voit que tu es Dieu. So that the world will see that you are que God. Tu es la solution. You are the solution. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 19, il est dit. In Lamentations, chapter 3 and verse 19, the Bible says this. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient à l'état battu au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc effectivement, dans ces temps de problèmes. So we see this verse that we can stand upon during this time of problems. Dans ces temps de crise. In the time of crisis. En tant que chrétien, en tant que croyant. As Christians, as true believers. On ne doit pas avoir cette attitude, oh ben ok, c'est bien fait pour eux. We shouldn't have an attitude that neglects the unbelievers. Bien too fait bad, pour ce monde qui est anti-Dieu. Too bad for this world that is against God. Non. No. Car il est dit ensuite. Because the rest of the voici verse, ce que je veux repasser dans mon cœur, au milieu de la détresse. Verse 21. This is what I call to ce mind. Ce qui me donnera de l'espérance pour mon pays, pour ma nation. This is what gives me hope for my nation, for my country. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Verse 22. The steadfast love of the Lord never ceases and his mercies never come to an end. Et bien plus que cela, elles se renouvellent chaque matin. They are new every morning. Et je peux déclarer, oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. And that way my soul can sing, great is your faithfulness. Car l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Because the Lord is my portion. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Therefore, I will hope in him. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Verse 25, the Lord is good to those who wait for him. Pour l'âme qui le cherche. For the soul who seeks him. La saison dans laquelle nous vivons, Dieu veut utiliser son peuple. In this season of crisis, God wants to use his people. C'est-à-dire qu'il veut utiliser toi, qu'il veut m'utiliser aussi. That means, my friend, he wants to use you and me. Nous devons réaliser que ces temps que nous vivons sont aussi des temps de grande confrontation. We need to realize that we are in a time of confrontation. Et plus nous allons avancer dans le temps, plus l'opposition va s'intensifier. The further we go in this time, the further our position will intensify. Mais rappelons-nous, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. But don't forget, our battle is not against flesh and blood. Mais contre les dominations, les principautés et ce monde de ténèbres. But against the powers and principalities and forces of the world of darkness. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, que nous devons faire tout pour nous préserver de toute influence toxique. That is why it is so important, brothers and sisters, to protect yourself from every toxic influence. Protégeons-nous de toute influence toxique qui vient du monde. Protect yourself from all of this negative influence from the world. Je pense plus que jamais qu'en tant que peuple de Dieu, nous devrions avoir une haute exigence. I believe that we need to set the bar high more than ever before. Sur ce que nous regardons. On what we are looking at with our eyes. Sur ce que nous lisons. On what we are reading with our eyes. Sur ce qui va nourrir notre âme. On what we are putting into our soul. What's feeding our soul. À travers les médias, à travers Internet. Especially what we see in the media. La télévision qui sont des canaux pour polluer, façonner et transformer notre génération. And in the newspaper and the television, these are all channels that can pollute our souls and dilute our faith. Si tu veux transformer les valeurs, la moralité d'une société, la télé est une arme redoutable. If you want to transform the values of a society, television is one of the best weapons. Qui arrive à te faire accepter l'inacceptable. Because television will make you accept what is unacceptable. En jouant sur les émotions.
It knows how to play with your emotions. Et en détruisant au passage ton esprit critique. And it knows how to destroy your critical spirit. Et tes critères sur la bonne moralité. It knows how to destroy the criteria of good morality. Tes critères sur ce qui est juste. And your criteria for what is righteous. Et rappelez-vous, la justice élève une nation. Don't forget, righteousness exalts a nation. Elle élève une ville, elle élève une famille, elle élève un individu. Righteousness exalts a city or a family or an individual. Et aujourd'hui, je suis stupéfait quand j'entends la position de certains chrétiens. Today, I am absolutely stupefied by what I hear Christians say. Même par rapport à des évidences comme certains péchés qui sont une abomination dans la parole de Dieu, especially ou un meurtre. In regard to certain things that are clearly sin in God's eyes, murder. Et que des chrétiens se posent la question the fact that some Christians even ask themselves the de savoir si c'est bien ou mal, to wonder, they wonder if it's good or bad. C'est une bonne indication que notre monde est vraiment malade. Listen, that is an indication that this world is truly sick. C'est pour ça que je crois qu'en tant qu'Église, nous devons revenir aux fondamentaux. That's why as a church we need to come back to our foundations. Premièrement, se fortifier dans la parole. First of all, strengthen yourself in the Lord. Josué 1, chapitre 6, verset 9 nous dit: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement dans toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. This passage is found in Joshua chapter 1, and we read from verse 6 through 9. Donc revenir aux fondamentaux, ça veut dire de te fortifier dans la parole de Dieu. Coming back to your foundations means you strengthen yourself in the word of God. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des choses qui vont intoxiquer notre âme. A few minutes ago, I spoke about the things that try to pollute our souls. Mais Dieu a prévu une chose toute simple qui va fortifier ton âme. But God has given you something that will strengthen your soul. Sa parole. And it is his word. Deuxièmement, chercher le royaume de Dieu et sa justice. The second important principle, seek first the kingdom of God and his righteousness. Matthieu 6, 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. This is found in Matthew 6, verse 33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added. Ne vous inquiétez de rien. And be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien. Listen. Be anxious for nothing. Et ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Don't worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Et ton job, c'est de ne pas t'inquiéter. Your job is to not be anxious. Et de chercher le royaume de Dieu et sa justice. And to seek first the kingdom of God and his righteousness. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? What is the kingdom of God? C'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Assure-toi de marcher toujours dans la justice. In other words, make sure you're always walking in righteousness. Dans toutes tes paroles, dans toutes tes décisions, dans toutes tes actions. In everything you say, everything you decide, and everything you do. Amen. Amen. De garder ta paix. That will help you keep peace. Et de garder ta joie, parce que la joie du Seigneur est ta force. Protect your peace and protect your joy, because the joy of the Lord is your strength. Troisièmement, assure-toi de toujours contempler le Seigneur. The third point, keep your eyes focused and beholding the Lord. Et de moins en moins contempler la télé ou Internet. And less beholding your TV and your screen. Car tu deviens ce que tu contemples. Why? Because you will become what you are beholding. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image que lui. 2 Corinthians chapter 3, verse 18 says, we are beholding the Lord with unveiled face, and we are being transformed into his image.
From glory to glory. Tu ne peux pas être transformé si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. In other words, you won't be transformed if you don't spend time beholding the glory of the Lord. Quatrièmement, avoir la pensée de Christ. The fourth point, very important, having the mind of Christ. Nous sommes sur la terre pour nous occuper des affaires de notre Père. We are here on this earth to take care of our Father's business. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. We need the Holy Spirit to do that. Pour être cette église qui va répondre à l'appel de Dieu. To become the church that is willing to respond to the calling of God. Je prie ce matin que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. I pray today that the Holy Spirit is giving you ears to hear. Ce que Dieu dit à son église depuis plusieurs semaines à travers les différents messages que nous avons eus. What God is saying to his church for several weeks now through different messages. La lumière qui brille dans les ténèbres, la force apostolique. We've been talking about the light shining in the darkness, the strength of the apostolic church. Dieu qui ordonne que tu sois fort. That God is commanding you to be strong. Afin que nous puissions traverser ce temps particulier. So that you, as a disciple of Jesus Christ, can go through these unusual times. À la différence du monde, le peuple de Dieu qui sait écouter ne devrait jamais être effrayé. The people of God who know his voice will never be afraid. Ou inquiets par tout ce qui se passe. They will never be anxious by things. Au contraire, nous avons de l'espérance. But we will have hope. Et nous savons en qui nous avons cru. And we know in whom we have believed. Si le monde est dans l'angoisse, dans la crainte, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas d'espoir. If the world around us is frightened, it's because they don't have hope. Ils n'ont aucune alternative. They don't have another choice. Mais nous sommes ces porteurs d'espoir. However, we are the ones who bring forth hope. Et même ces porteurs de foi. And we bring them faith. Amen. Amen. Donc Dieu rassemble son armée ce matin. Listen, this morning God is raising up an army. Contre un seul objectif. An army that has one goal. Détruire les œuvres des ténèbres. To destroy the works of the enemy. Il est dit dans Matthieu chapitre 16 verset 18. In Matthew chapter 16 verse 18. Et moi je vous dis que tu, mais moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Jesus tells us that he will build his church and the gates of hell shall not prevail against it. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. And he says, I have given you the keys to the kingdom, and whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have been loosed in heaven. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. And in 2 Corinthians chapter 10, verse 5, the Bible commands us to destroy arguments and every lofty opinion raised up against the knowledge of God and take every thought captive to the obedience of Christ. Nous devons réaliser, frères et sœurs, que malgré ces temps de confrontation, nous ne pouvons pas perdre. Even in this time of confrontation, we're not going to be the ones losing. Car Jésus a dit qu'il bâtira son église. Jesus said he would build his church. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. And the gates of hell shall not prevail. Et que les armes que nous avons sont puissantes et efficaces. And the weapons of our warfare are effective and powerful. Et notre objectif en tant qu'église de Jésus-Christ. Our objective, therefore, as the church of Jesus. Qui tend à être glorieuse. That glorious church. C'est d'en sauver le plus grand nombre. Is to save the most amount of people if possible. Et je vais terminer avec une illustration que j'ai déjà partagé il y a quelques années. I'm going to close with an illustration that I shared a few years ago. L'un de mes films préférés, c'est la liste de Schindler. La liste de Schindler. Oh, one of my favorite films is called Schindler's List. Et il y a un passage qui me bouleverse à chaque fois que je le regarde. There's one scene that profoundly touches my heart every time I see it. C'est de voir Oscar Schindler à la fin du film. And that is when we see Oscar Schindler at the end of the film. Qui a été remercié par les Juifs qu'il a sauvé pendant la guerre. Who was personally thanked by all of the Jews that he was able to save during World War II. Donc il avait investi toute sa fortune. This was a man who spent his entire fortune. Dans une industrie qui était soi-disant pour faire des armes pour les Allemands.
in an industry that was actually fabricating weapons for the Nazi army. Et pour sauver le plus grand nombre de juifs, il embauchait ces juifs justement. But it's based on a true story. In order to save the greatest number of Jews, he actually hired them to work in his factory. Mais il avait réglé les machines de telle façon que les armes qui sortaient de chez lui ne fonctionnent pas. But what he did in secret was fix the machines so that they wouldn't produce good weapons. Il a sauvé des centaines et des centaines de juifs comme ça. In this way he was able to save so many. Et à la fin du film, lorsqu'on voit que la guerre est terminée, at the end of the film, they have some live footage after the war. On a les ouvriers juifs de son industrie qui viennent vers lui. And we see that the workers in his factory come to him. Et par reconnaissance, lui offrent une bague qu'ils avaient fait fondre avec de l'or. And they had made him to thank him a beautiful ring. Pour le remercier. To thank him for saving them. Et à un moment donné, on voit Oscar Schindler qui tombe en larmes. At that point, Oscar Schindler breaks out in tears. Et qui sort de l'usine. He walks out of his factory. Au début, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est touché par rapport à ce cadeau. Now, at the beginning, when I saw the film, I thought, oh, maybe he was very touched by this gift. Pas du tout. That wasn't the case. Il pleure parce qu'il se dit, mais j'aurais pu en faire plus. He was actually crying because he kept saying, I could have saved more. Il dit, cette voiture, j'aurais pu la vendre. This car, I could have sold it. I could have et sacrificed. J'aurais pu sauver peut-être 10 personnes de plus. Maybe it would have saved 10 more people. Cette chose que j'aurais pu la vendre et j'aurais pu sauver encore une personne de plus. Or maybe this thing in my home, I could have sold it and I could have saved one more person. Oh, frères et sœurs, que ça soit notre attitude ce matin. Brothers and sisters, let that be our attitude. Répondons à l'appel du Seigneur. Let's answer the call of God. Car le but c'est de toucher, de sauver. Une personne de plus. Our goal should be to touch, to reach out, to save. Qu'est-ce one que tu es prêt à abandonner? What are you ready to sacrifice? Pour sauver une personne de just plus. Just to save one more person. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour sauver une famille de plus? What are you ready to sacrifice just to save one more family? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour sauver ta nation? What are you ready to sacrifice for the salvation of your nation? Répondons à l'appel du Seigneur. Let's answer the call of dans God ces temps today, de grande confrontation, especially in this time of great confrontation, où le diable va se déchaîner de plus en plus. The enemy is being more and more manifested. Mais je crois que l'Église va briller aussi de plus en plus. But it's also a time where the Church of God will shine. C'est pour ça que nous avons besoin d'être forts ce matin. That's why God wants to strengthen you today.